Alors, donc, deuxième débat sur la source de la loi, qui fait suite au premier débat qui a eu lieu le 3 août, dans lequel j'ai présenté différentes définitions lexicales de la loi et où j'ai présenté un échange avec un contradicteur sur la source de la loi, vue en tant que rapport de force ou pas. Alors aujourd'hui, source de la loi, j'ai sous-titré ce deuxième exposé, qu'est-ce que la loi ? Et donc trois chapitres, trois points, la définition générique de la loi et ses dérives, deuxième point, le domaine de la loi, quel est le domaine de la loi, et troisième point, y a-t-il une source ? Peut-on trouver une source de la loi dans le droit actuel français ? Alors, la définition générique de la loi, ben, je dirais tout de suite que, pour moi, je considère qu'il y a une confusion autour de la notion de loi. Confusion qu'on a déjà pressentie lors de l'approche lexicale qu'on a fait le 3 août, et qui se retrouve tout naturellement aussi bien dans les propos de l'homme de la rue, je l'interroge, que dans ceux des hommes politiques, pourtant supposés être largement plus instruits que l'homme de la rue. Les hommes politiques, et notamment ceux qui sont en charge de rédiger des programmes ou des projets, programmes dans lesquels on s'aperçoit que la notion de loi est confondue avec tout un tas de choses. Et la confusion la plus courante, ça consiste à ne pas distinguer clairement les propositions relevant du domaine législatif, propositions gouvernementales par exemple, et celles ou gouvernementales ou des opposants, et celles relevant du domaine exécutif. C'est-à-dire confondre ces deux domaines, le domaine législatif et le domaine exécutif, et finalement considérer qu'ils ne font qu'un. Une autre confusion, moins fréquente mais que je considère comme étant tout aussi redoutable, c'est celle qui amalgame les deux types de propositions précitées, exécutif, législatif, avec des propositions relevant, elles, du domaine judiciaire. Ainsi, une décision souhaitée du pouvoir exécutif, comme par exemple la construction d'un pont. Un comportement souhaité du pouvoir judiciaire, comme par exemple celui de prendre plus en compte le paramètre des circonstances atténuantes dans le prononcé des peines. Toutes deux peuvent être placées sur le même registre qu'une règle coercitive qu'on souhaiterait voir édictée par l'Assemblée nationale, et qui ne serait d'ailleurs même pas forcément une loi, puisque l'Assemblée nationale vote en réalité certaines lois qui ne sont pas, à proprement parler, des lois, nous y reviendrons. Mais alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui est à proprement parler une loi, et qu'est-ce qui n'est pas à proprement parler une loi ? Et nous voilà donc stoppés, en arrêt, devant cette question fondamentale à laquelle il nous faut impérativement répondre de façon claire si nous voulons aller plus loin dans notre étude et si nous voulons la décliner sous tous ses aspects. Aspects prévus par le programme du CRC, du Cercle du Renouvellement Constitutionnel, et tel que nous l'avons programmé. Quelle est la source de la loi ? Quels sont ses principes, ses modalités de fabrication ? Par des représentants ou non, par des institutions, etc. Alors, après les définitions du Larousse et du Robert, qui ne sont, nous avons pu le constater, qu'un catalogue de définitions à géométrie variable dans lequel chacun va pouvoir puiser et extraire la définition qui servira son propos, je vais aujourd'hui vous proposer une définition claire, universelle, à la fois exhaustive et limitative, et sur laquelle je vais m'appuyer tout au long pour la suite de mon propos. Selon moi, une loi est une règle coercitive qui s'applique à tous les citoyens d'une nation sous la menace de la violence légale exercée par l'État en charge de l'administration de cette nation. Alors, avant d'aller plus loin, je me permets d'insister sur les deux conditions fondamentales mais rédhibitoires sous-tendues par cette définition. Conditions rédhibitoires, parce que si elles ne sont pas remplies, la chose dont nous parlons n'est pas une loi. Première condition, l'universalité de la loi. Une loi est une règle qui s'applique à tous, sans distinction. Ce qui signifie qu'une règle qui ne s'applique pas à tous n'est pas une loi.
voit déjà le premier critère de clivage entre ce qu'on appelle loi et qui, de mon point de vue, n'est pas une loi. Deuxième critère de clivage, la coercition de la loi. Une loi est une règle qui s'applique sous la menace d'une sanction effective, ce qui signifie qu'une règle qui ne prévoit pas une sanction effective n'est pas une loi. Alors, toutes les lois d'orientation, les lois programmes, etc. Tout ça, ce ne sont pas des lois, de mon point de vue. Alors, ceci étant posé, on va revenir à notre affaire de confusion. Parce que cette confusion, cette dérive du raisonnement, qui nous amène à nommer loi tout un tas de choses qui ne sont pas, et bien cette confusion, elle est favorisée, il faut bien le reconnaître, par l'observation clinique du fonctionnement des institutions actuelles françaises, qui nous conduit, si nous n'y prenons pas garde, à considérer qu'un commandement opérationnel, c'est-à-dire un acte du pouvoir exécutif, exemple que j'ai donné tout à l'heure, décision de construire un pont, décision prise par les services de la DDE, de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire décision prise par l'exécutif. À considérer, si on n'y prend pas garde, qu'elle est de même nature qu'une règle abstraite, c'est-à-dire un acte du pouvoir législatif, qui va édicter une règle coercitive applicable à tous, par exemple l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Eh bien, dans le premier cas, nous parlons d'une action concrète, relevant de la décision d'un groupe humain de faire quelque chose. Et dans le deuxième cas, nous parlons d'une règle abstraite, qui pose les conditions d'une éventualité sans plus et qui peut très bien ne conduire à aucun artefact constatable. Si vous n'allez pas dans un lieu public, on ne pourra pas constater que vous êtes interdit de fumer. Au contraire du pont construit qui, lui, est constatable de facto. Car en effet, l'une des principales propensions du pouvoir oligocratique, c'est celle de chercher en permanence à concentrer les deux pouvoirs en une seule main. Pour mieux comprendre l'importance de cette dualité, exécutif-législatif, législatif-exécutif, on va reprendre encore une fois l'exemple volontairement simpliste du pont. Supposons que le service public de l'équipement, pouvoir exécutif, décide de construire un pont urbain au-dessus d'une rivière, pont répondant à certaines caractéristiques. Cette décision, c'est un commandement opérationnel et ne peut être concrétisée, cette décision, que si la loi, c'est-à-dire le pouvoir législatif, inscrite dans le code de l'urbanisme, permet une telle opération. Si ce n'est pas le cas, le pont ne pourra pas être construit. Alors, si un cas ainsi se présente, que se passe-t-il dans le système actuel ? Ben, c'est très simple. Le pouvoir exécutif, qui en réalité possède le contrôle du pouvoir législatif, fait modifier la loi et le pont pourra alors être construit. Prenons maintenant un autre exemple, le débat sur le nucléaire, qui n'échappe pas à cette confusion des genres. Car la question en réalité, c'est pas de savoir ce que devrait faire tel ou tel gouvernement sur ce point, mais la question est de savoir ce que le corpus législatif, dont au premier chef la Constitution, lui permettrait de faire ou de ne pas faire. Bon, ces deux exemples qui nourrissent cette idée de confusion nous montrent que cette confusion sévit également de façon récurrente en tant que fondement de la plupart des critiques qui sont adressées aux promoteurs de la démocratie directe intégrale. Bon, voilà, je fais un petit couplet sur la démocratie directe. Lorsque les contradicteurs de la démocratie directe mettent en avant la supposée non-faisabilité technique de la démocratie directe au prétexte qu'un gestionnaire politique doit prendre des dizaines de décisions par jour qui ne peuvent être co-construites en permanence avec le peuple tout entier, ces contradicteurs confondent encore et confondent toujours actes législatifs et actes exécutifs. Car ces fameuses décisions, qui d'après eux ne peuvent pas être prises en démocratie directe, ne sont en réalité que des décisions exécutives qui n'entrent pas dans le champ considéré de la démocratie directe, fin de la parenthèse. Parenthèse peut-être un petit peu hors sujet, mais disons que je me suis fait un petit peu plaisir sur ce point. Alors maintenant, deuxième chapitre, deuxième point,
de cette étude de la question qu'est-ce que la loi? Quel est son domaine, la loi? Domaine de la loi. Alors la loi, est-ce qu'elle peut s'appliquer dans tous les domaines de l'activité humaine? Ou bien existe-t-il des domaines interdits à la loi? Point d'interrogation. La Constitution édicte-t-elle des principes définissant le ou les champs d'action de la loi? Point d'interrogation. Comme pour tous les autres concepts qui régissent l'organisation sociale, il apparaît difficile de trouver dans la Constitution un ou plusieurs principes définissant clairement le domaine de la loi. Dans la Constitution française actuelle, pas dans une autre Constitution qui serait écrite différemment. Eh bien, on ne trouve dans la Constitution elle-même aucun énoncé de principe. Je n'ai trouvé, en lisant attentivement l'intégralité du bloc constitutionnel, aucun énoncé de principe présidant à la source du droit, c'est-à-dire déclarant solennellement que les lois sont fabriquées pour défendre telle ou telle valeur humaine, pour protéger la société de tel ou tel danger, pour favoriser l'éclosion et le développement de telle ou telle vertu, voire pour maintenir une logique, telle ou telle logique d'organisation sociale, etc., etc. C'est ainsi que l'individu administré par les tables législatives, cet individu ne dispose d'aucun référentiel pour se rassurer sur la légitimité d'une loi. Il ne peut que l'inventer à partir de son propre esprit. Seul, et on va le voir, l'article 34, dont je parlerai tout à l'heure, l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, cet article énumère une série de domaines dans lesquels la loi peut s'appliquer, et ce, en débutant chaque énumération par la phrase « La loi fixe les règles de… » etc., etc., etc. La loi fixe les règles de… Or, comme nous allons le voir, il apparaît que cette énumération couvre pratiquement tous les domaines de l'activité humaine. On pourrait donc déduire de cet article 34 que la loi peut tout faire. On va le voir. Mais l'affaire se complique à la lecture de l'article 5 de la DDHC, que nous avons déjà étudié, qui stipule que la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Dont on pourrait déduire cette fois-ci que la loi ne peut établir de règles que dans le but de contrer des actions nuisibles à la société, ce qui invaliderait une grande quantité de lois, notamment toutes celles qui exercent des contraintes ou des obligations non contingentes. Parce qu'effectivement, la loi actuelle ne définit pas que des interdictions de faire, ce qu'on peut appeler des empêchements, mais elle établit également énormément d'obligations de faire, c'est-à-dire des contraintes. Ce domaine de la loi, ce domaine de la contrainte, pourrait donc être jugé anticonstitutionnel si l'on se réfère stricto sensu à l'article 5 de la DDHC qui délimite un domaine bien précis d'exercice de la loi, celui d'empêcher. Cette contradiction, une de plus, entre la Constitution de 58 et la DDHC doit être soulignée. Alors, pour ce qui concerne le domaine de la loi, il y a également une zone d'incertitude ou un vide concernant la distinction entre le domaine individuel et le domaine collectif. La volonté visible de la Constitution de confondre les domaines de la loi d'empêchement et de la loi de contrainte se retrouve effectivement à l'identique pour ce qui concerne l'absence de distinction voulue entre les domaines individuels et les domaines collectifs. Parce que le domaine individuel ou domaine privé, il est pourtant constitutionnellement affirmé dans l'article 2 de la DDHC. Les droits naturels et imprescriptibles de l'homme sont la liberté, la propriété et la sûreté. Et dans l'article 17, la propriété est un droit inviolable et sacré. Or, il n'apparaît nulle part en tant que critère à prendre en compte dans l'élaboration de la loi. Ce qui revient à conclure que la loi peut s'appliquer indistinctement dans les deux domaines, ou en d'autres termes que le domaine individuel, le domaine privé, n'est protégé de la loi par aucun principe constitutionnel.
Par ailleurs, il n'existe pas non plus de définition, ni même d'esquisse de définition du domaine privé, habitation, local professionnel, terrain. Et dans ces conditions, nous devons donc en conclure que la Constitution permet que n'importe quelle loi puisse s'appliquer dans le domaine privé. Par exemple, à l'intérieur de son habitation, et à l'intérieur, et dans un cadre, par exemple, occulté des regards extérieurs. Rien dans la Constitution n'empêche que des lois soient prises de cette nature. Elles existent d'ailleurs. On pourrait en faire une liste. Alors, le fait aujourd'hui qu'une certaine liberté de comportement individuel reste encore non réglementée. Ce fait, qui est réel, ne prouve pas qu'elle ne puisse pas l'être demain. Je veux dire par là que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, certaines libertés ne sont pas interdites par la loi, ça ne prouve pas qu'elles ne puissent pas l'être demain, puisqu'il n'existe rien précisément dans la Constitution qui rende cette évolution-là impossible. Cette latitude d'arbitraire se doit d'être soulignée, et il en résulte qu'une bonne Constitution, voilà, on va faire un petit peu de prospective, et, à mon avis, une bonne Constitution doit, premièrement, s'attacher à distinguer clairement le domaine individuel et le domaine collectif. Deuxièmement, parle pour la loi, dans le domaine de la loi. Deuxièmement, donner une définition de leurs limites respectives et de leurs éventuels sous-domaines. Et troisièmement, indiquer les types de lois qui doivent ou qui peuvent s'appliquer spécifiquement à l'un ou à l'autre et ou uniformément aux deux ensemble. Alors, voilà pour le domaine de la loi. Brosser très rapidement. Que pouvons-nous dire maintenant de la source de la loi dans le droit français? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'article 34 prétend nous donner la réponse à cette question. Parce que seul l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 58 traite de la genèse des lois, en distinguant trois paquets. Alors, c'est moi qui dis paquet. Voilà. Alors, le premier paquet, c'est, alors là je cite in extenso, « La loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. La liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias, les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens. La nationalité, l'État et la capacité des personnes. Les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités, la détermination des crimes et des délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction, et le statut des magistrats, l'assiette, le taux, les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le régime d'émission de la monnaie. » Voilà, un catalogue qui n'est pas une définition, mais qui est une énumération. Alors, on trouve dans ce paquet, dans ce premier paquet, l'essentiel, en fait, de ce qui légifère la vie quotidienne de l'individu, à savoir l'exercice de ses libertés, sa famille, sa nationalité, ses obligations militaires, les crimes, les délits dont il peut être responsable, et bien entendu les impôts qu'il doit payer. Tout y est ou presque, mais rien n'est dit sur le schéma directeur de la loi, si ce n'est que c'est la loi qui fixe les règles, donc c'est la loi qui fait la loi. C'est QFD. Deuxième paquet. Extrait textuellement de l'article 34. La loi fixe également les règles concernant le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France, ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux, les fonctions électives des membres des assemblées délibérantes, la création de catégories d'établissements publics, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires, civils et militaires, de l'État, les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé. Alors, dans ce deuxième paquet, on trouve un certain nombre de choses pour qui probablement rasent l'individu de base,
mais qui intéresse au plus haut point l'État tout-puissant, qui établit ici les règles de sa petite cuisine, évidemment en se jouant de l'indifférence générale. Troisième paquet, la loi détermine les principes fondamentaux de l'Organisation générale de la défense nationale, de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources, de l'enseignement, de la préservation de l'environnement, du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, du droit du travail, du droit syndical, de la sécurité sociale. Alors on trouve dans ce dernier paquet un mot qui va éveiller tout de suite notre intérêt, celui de principe. Mais malheureusement, cet espoir est rapidement déçu, car ce terme figure ici non pas pour dire que la loi va suivre certains principes, mais pour dire que c'est elle-même qui va déterminer les principes qu'elle suivra. Je félicite d'ailleurs, en passant, le rédacteur de cet article 34. Habilement fagoté. Donc c'est la loi qui va suivre certains principes, mais c'est elle qui va déterminer les principes qu'elle suivra. Et nous découvrons en fait qu'il ne s'agit rien moins que de déterminer les principes du droit civil, du droit commercial et du droit du travail, c'est-à-dire tout le réseau sanguin de l'économie, droit civil, droit commercial, droit du travail, qui échappe à tout principe constitutionnel. On peut donc considérer que la messe est dite, on peut tirer l'échelle et aller jouer ailleurs, puisque c'est la loi elle-même qui décidera des principes de base qui seront à la source des mesures réglementant le fonctionnement de toute l'intégralité de la société, enfin, le fonctionnement socio-économique de la société. Alors, on constate que sous le couvert d'un respect des droits de l'homme, la machine législative fonctionne à plein régime. On introduit déjà ici la notion d'inflation législative, et que rien ne semble devoir freiner son ascension vers des sommets incontrôlables. La résignation générale devant cet état de choses, le relâchement même dans certains cas par saturation des contraintes, ne livre aucun signe, ne permet de déceler aucun signe d'inversion de tendance, mais au contraire témoigne d'une acceptation de l'opinion publique qui a définitivement entériné le fait que la société développée était synonyme d'invasion réglementaire illimitée. Illimitée car exempte de tout principe limitateur. Une invasion coercitive, que nous pourrions même qualifier de sans foi ni loi, sauf naturellement celle de la loi et de la religion du profit, profit de quelques-uns au détriment de tous les autres, profit qui pourrait bien, de ce point de vue, être considéré comme, pourquoi pas, la source privilégiée, voire la source unique de notre loi républicaine. Je vous remercie. Comme d'habitude, formidable exposé, tout en nuances et avec beaucoup de sujets couverts. Avant de passer la parole à Luc, je me permets une question, Christian. Donc si je t'ai bien compris, corrige-moi si je me trompe. Définition générique de la loi, tu dis que tous, aussi bien politiciens que le reste d'entre nous, nous confondons le législatif, l'exécutif et le judiciaire, et donc nous mettons tout ça à la sauce de la loi. Ensuite, tu donnes ta définition de la loi, qui est une règle coercitive qui s'applique à tous et qui est appliquée par... C'était quoi la dernière partie ? Qui est sanctionné par une force sous la menace de la violence légale. D'accord. D'accord, ça. Et ensuite aussi, tu disais que, de ton point de vue, il fallait distinguer le domaine de la loi il fallait distinguer le domaine collectif et le domaine privé. Oui. D'accord. Juste une question, peut-être bête, mais
Par exemple, le meurtre est interdit. Si tu tues quelqu'un chez toi, il n'y a pas constatation. Enfin, comment tu règles, est-ce que c'est comment tu règles Ah la question, puisque c'est à l'intérieur de. mais ça ne veut, je n'ai pas dit que le domaine privé était inviolable de tout droit. J'ai dit qu'il fallait donner des principes clairs qui permettaient de lui. Bon, il y a une idée qui saute aux yeux à la lecture, notamment la DGHC qui affirme le droit de propriété, c'est de dire, bon, mais à l'intérieur de son espace privé, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Voilà. Et voilà un sujet qui n'est jamais traité. Est-ce qu'il y a un principe ou pas de borne, de limite à ne pas dépasser pour ce qui concerne l'intrusion de la loi dans le domaine public, ou bien est-ce qu'il n'y en a pas? Bon, la réponse, c'est qu'il n'y en a pas. De mon point de vue, la réponse, c'est aujourd'hui, il n'y a rien dans la Constitution qui permet de légiférer jusqu'au plus profond de l'espace privé. Il n'y a D'accord. rien. Mais C'est-à-dire, prenons un exemple extrême. Hein? Si le législateur s'avisait de vouloir faire une loi qui interdit, pardon, certains attouchements, on va dire, dans ton espace privé, occulté. Hein? Bon, il n'y a rien dans la Constitution qui empêche de le faire. Bon, alors est-ce que ça pose un problème ou pas? Moi, je pense que oui. Non, je pense que l'espace privé doit être. Bon, j'ai pris exprès un exemple provocateur. Bon, bien entendu, il y a. Alors, on va. Un exemple, cette fois, très, très concret, la hauteur des rambardes des balcons. Bon, c'est-à-dire que tu as dans ta maison un balcon, voilà, et il faut que la rambarde de ton balcon dépasse 93 cm. Voilà. Bon, moi je ne vois pas dans la Constitution quelque chose qui permet une telle intrusion de la loi dans le domaine privé. Je vois pour voilà. Quel est le principe selon lequel le principe qu'on énonce, le principe qui permet d'empêcher que tu fasses un balcon avec une rambarde de 80 cm chez toi. Donc en fait, si je t'ai bien compris, tu n'es pas contre le fait de pouvoir légiférer dans le domaine privé, que tu distingues du domaine public, mais tu veux qu'il y ait des principes qui délimitent et qui cadrent les lois, aussi bien du domaine public, du domaine public collectif, que du domaine privé. C'est ça que tu dis? Moi, je suis contre rien. Si une loi est décidée de façon démocratique, hein, alors bon, on va définir la démocratie, est-ce qu'elle est, on va revenir dessus. Bon, je suis contre rien. Je suis contre l'arbitraire. C'est-à-dire que si la loi étant un élément coercitif très important, qui est une restriction de la liberté, bon, il faut qu'elle s'appuie sur un principe. Si elle s'appuie sur une majorité ponctuelle d'un groupuscule de décisionnaires, je pense qu'il y a un problème démocratique. Okay. Luc, désolé, encore une dernière précision. Donc, pour toi, la loi, c'est le législatif. L'exécutif, ce sont des commandements, c'est ça que tu as dit? Oui. D'accord. Et le judiciaire, c'était quoi? Juste pour information. Le judiciaire, bon, n'a pas été vraiment traité, j'ai simplement effleuré en disant que dans le cadre de la confusion générale, on appelle tout loi, eh bien on va avoir aussi des décisions de tribunaux qui vont être appelées loi. On a vu D'accord. d'ailleurs dans la première définition, première séance, on a passé en revue toutes les définitions de loi, qu'il y avait ils ont une acception extrêmement répandue de la loi, qui est ce qui s'applique par la force. C'est-à-dire que, voilà, je fais la loi, celui qui fait la loi. Bon, celui qui applique arbitrairement sa force fait la loi. Un tribunal qui va décider quelque chose, bon, il fait la loi. Voilà. Bon, il y a une confusion alors, quand tu dis tout le monde, dans ta première question, tu as dit
que je pensais que tout le monde faisait cette confusion. Je pense que beaucoup de gens la font, que trop de gens la font. Je pense qu'il y a certaines personnes qui font... En tout cas, il me paraît intéressant, justement, de lancer l'alerte, de travailler sur ce sujet. Voilà. Alors, il y a un philosophe économique qui a beaucoup traité ça, qui a d'ailleurs eu le prix Nobel, hein, c'est Friedrich Hayek, qui a, dans un bouquin qui s'appelle « Individu, État et loi », je crois que quelque chose comme ça, un gros pavé, il passe pas mal de temps à bien expliquer la différence qu'il y a entre les commandements opérationnels et les règles abstraites que sont les lois. Et il explique bien ce que ça veut dire qu'une prescription abstraite. Prescription abstraite, c'est une prescription qui ne signifie rien en tant que telle tant qu'il n'y a pas un acte qui est posé. Voilà. Bon, c'est-à-dire qu'on décide de façon abstraite que s'il se passe ça, eh bien, on prendra telle mesure. Bon, ça, c'est une loi. Et il décline également, il développe également ce que c'est qu'un commandement opérationnel. Alors, moi, je prends l'exemple de fabriquer un pont, ça peut être fabriquer une école, et c'est quelque chose, au contraire, qui est visible tout de suite et qui s'impose à tout le monde. Voilà. Et c'est cette confusion-là, alors qu'on retrouve, mais dans le débat politique, à tous les niveaux, hein, c'est-à-dire entre les hautes sphères de la politique politicienne et puis dans nos cercles restreints de mouvements alternatifs, eh bien, personnellement, je suis confronté en permanence à cette confusion, notamment quand on expose nos programmes. Programme politique, voilà, je propose de faire ça, ça, ça et ça. Bon, est-ce que c'est une loi, ça, ou est-ce que ça va être une décision du gouvernement? Et là, les interlocuteurs très souvent tombent les nus. Voilà. Donc il y a, je dirais, un travail de clarification à faire en amont, qui, s'il n'est pas fait, rend, à mon avis, tout le débat politique vide de sens. Carrément. Au niveau des projets qui sont exposés et des projets qui sont confrontés entre eux. Puisqu'on ne sait pas s'il s'agit de décisions exécutives ou de règles abstraites. D'accord. Pour le judiciaire, il faudrait peut-être des jugements alors. Oui, des jugements. D'accord. Très bien. Merci Christian. Luc. Oui. Alors, bah, merci Christian de ton exposé. Très intéressant, très éclairant, parce que du coup, il donne un éclairage, je dirais, en profondeur sur nos travaux, et un éclairage que j'aurais vu un peu plus tard dans nos travaux. Je dirais, je pensais qu'on aurait posé plus des principes plus généraux sur les constitutions, hein. Parler notamment des aspects droit naturel et tout ça, des choses qui sont encore à venir. Notamment, on a parlé du pouvoir. Et voilà, des choses plus générales avant de rentrer dans ces sujets. Mais parfois, faire venir quelque chose d'anticipé, ça permet au mieux de mieux, justement, adresser des sujets qui seraient peut-être plus généraux et qui interviendraient qu'on a une approche forcément linéaire et séquentielle des choses, faire mélanger un peu les choses, c'est pas forcément plus mal, même si on se situe malgré tout au niveau des principes, mais je dirais d'une manière générale, nos travaux, certes, du renouvellement constitutionnel, on travaille fatalement sur les principes parce qu'on travaille sur un modèle de modèle. Donc forcément, on est sur des. C'est fatalement, quasiment que sur des principes. Alors, le domaine, donc, je pense qu'il faut absolument que l'on ait ça dans notre besace, absolument, hein, tout ce que tu as dit sur les distinctions, bien les poser, bien les avoir dans notre roadmap, dans notre feuille de route, pour parler français, pardon, pour bien, justement, les adresser et les définir. Notamment, sur la définition de la loi, absolument qu'on l'ait dans le glossaire. Je pensais qu'on ferait ça dans le glossaire, justement. Et
c'est bien que tu l'introduises maintenant, c'est pas plus mal, dans le sens que c'est pas forcément plus mal. Parce que là, du coup, là, on est dans le cadre d'un débat ouvert, hein, donc un débat justement qui permet de, bah, d'ouvrir des horizons, hein, donc c'est très bien. Or, comme glossaire, on est vraiment dans des choses plus normatives, justement, on va donner des définitions, une autre définition de la mobilité. Alors, puisque tu l'introduis, je vais en parler, la définition que tu donnes de la loi, donc, je vais dire en deux mots, hein, je ne sais pas forcément exactement les mots que tu as employés, mais règles coercitives qui s'appliquent à tous sous contrainte de la violence légale, quelque chose comme ça, donc avec deux critères importants, s'appliquent à tous, d'une part, une règle qui s'applique, donc règle, qui s'applique à tous et avec coercition effective. Alors c'est effectivement une définition de la loi qu'on peut avoir, qui est celle que tu proposes. Personnellement, j'ai pas cette définition. J'ai pas cette définition. J'ai une définition plus. Alors, même si elle n'est pas explicitée, justement, c'est bien ce que tu démontres dans notre constitution. Modulo l'article 44 qui pose justement une énumération de domaines dans lequel s'applique malgré tout la loi. La loi est beaucoup plus actuellement, en tout cas, et moi, à mes yeux, la loi a un champ beaucoup plus large que ça, effectivement. Le budget de l'État, par exemple. Une loi, le budget de l'État, ce n'est pas une règle coercitive. C'est une règle qui va. C'est un des actes majeurs, hein, de notre gouvernement. La question fondamentale, elle est la suivante, à mon avis. On parle de pouvoir législatif, pouvoir exécutif. Peut-être qu'il faut. Il faut aussi peut-être qu'on sorte même de cette. Alors moi, je n'ai pas lu Hayek, hein, mais il faut peut-être qu'on sorte de ces catégories. Peut-être, hein, ce sont des catégories, et de se dire qu'est-ce qu'on a envie. Moi, j'aurais tendance à dire qu'est-ce qu'on a envie. Est-ce qu'on a envie que ça soit une assemblée populaire, l'Assemblée nationale, hein, l'Assemblée qui est censée représenter le peuple. Bon, après, voilà, après on rentre dans le débat à démocratie directe, etc. C'est introduit un peu par la fenêtre, je veux dire. Est-ce qu'on a envie que sur ces sujets, comme le budget de l'État, par exemple, est-ce que ça soit juste des mandatés qui vont agir en tant que commandant, ou est-ce qu'on a envie, au contraire, que des représentants du peuple, ou le peuple lui-même, si on parle de démocratie directe, admettons, tranche et intervienne dans les débats sur ces sujets-là. Je pense, malgré tout, limiter la loi à son domaine coercitif, peut-être faut inventer un autre mot. Peut-être qu'il faut effectivement accoler au mot loi, comme c'est le cas actuellement, c'est loi de programmation, par exemple, loi de programmation militaire, loi de programmation, loi budgétaire. Voilà. Et est-ce que on trouve légitime, c'est ça la question pour moi fondamentale, est-ce que c'est légitime que le peuple intervienne là-dedans, dans ce domaine législatif, dans ce domaine. Justement, ne parlons pas de législatif. Dans ce domaine du budget, du fonctionnement des armées, etc., etc., des lois de programmation, ou est-ce que ça doit se limiter aux règles d'interdiction et d'obligation, hein. Et là, pour le coup, moi, j'ai du mal avec cette définition. Ou alors, il faut changer. Effectivement, il faut qu'on ait une définition dans notre glossaire, c'est un vrai challenge, se dire qu'est-ce qu'on met comme terme, et qu'on précise bien les choses. Mais je pense que on ne peut pas parler de démocratie si le peuple n'intervient pas, pas forcément directement, hein, dans les lois, dans justement ce qui va être fait, dans la construction du pont, dans justement les investissements qui vont être faits, dans le fonctionnement des institutions et des choses qui existent. Ça me semble, c'est même l'essentiel de ce que l'on fait lorsque l'on fait de la politique. Hein, et qu'est-ce qu'on va faire ? Et pas simplement qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire et qu'est-ce qu'on est obligé de faire. Donc voilà un petit peu, moi, bon après je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense effectivement qu'il faut qu'on soit précis dans notre travail sur le glossaire, sur ça, et dire comme prescription, par exemple de dire bien distinguer le public du privé, qu'est-ce que dans la Constitution doit être du domaine du public du privé. Voilà, ça doit être, pour moi je crois qu'on va l'encourageant à ça. Alors, ce que je crains, c'est par rapport à ce que je viens de dire à l'instant, c'est comment on va faire
va falloir qu'on trouve un moyen de se mettre d'accord sur un glossaire. Et là, pour le coup, je pense que ça va. Ah, là, on a un petit défi à relever. Voilà, merci beaucoup. Je pourrais dire beaucoup de choses, mais bon, c'est pas. Je pense que j'ai dit, je suis venu directement au cœur du sujet, donc on va faire en rester là. Mais je pense que c'est très bien ce que tu as dit, Luc, et justement, j'avais oublié de dire quelque chose. De poser une question à Christian, mais c'est exactement ce que tu viens de dire, Luc. Dans ta démocratie directe, véritable démocratie, justement, est-ce que le citoyen peut aussi délibérer sur les commandements opérationnels? Bon, les jugements, c'est un peu différent, mais est-ce que le citoyen, dans la démocratie réelle, ne fait que les lois, ou est-ce qu'il fait les lois et aussi les commandements opérationnels et autres? Et dans ce cas-là, on peut garder la distinction. La loi, c'est ce qui s'applique à tous et qui est coercitif. Les commandements opérationnels, c'est telle chose. Donc chaque définition, mais le peuple peut intervenir sur ces différents points. Quelle est ton idée là-dessus, Christian, pour aller dans le sens de la question de Luc? Donc oui, la réponse est extrêmement claire. En démocratie directe, telle que nous la concevons, le peuple est en charge unique de faire les lois, par un dispositif qu'on ne va pas détailler, ici, ce n'est pas l'objet, et il peut contrôler l'exécutif. C'est-à-dire que c'est l'exécutif qui prend les commandements opérationnels. Alors, dans l'exemple, je vais prendre justement l'exemple de Luc pour répondre à la question de Guillaume. Luc parle de la fameuse loi de finances, qui est voté, qui est décidé par, qui est voté au sein de l'Assemblée nationale. Moi, je dis que la loi de finances, ça n'est pas une loi. Ça n'est pas une loi au sens de la définition que j'ai donnée de la loi. Ça n'est pas une règle abstraite. C'est un commandement opérationnel. Bon, c'est une question de mots. Mais l'Assemblée nationale peut faire, en tout cas, d'autres choses que voter des lois au sens des lois telles que je les ai définies. Bon. Et dans le cas de la démocratie directe, effectivement, c'est pas le pouvoir législatif, c'est-à-dire c'est pas le peuple qui va voter les lois de finances. Sont les arbitrages budgétaires. La loi de finances, qu'est-ce que c'est? C'est une fois que l'État central a récupéré l'ensemble des prélèvements obligatoires, il reste chaque année civile, à affecter l'ensemble des, on va dire, des 280 milliards qui ont été collectés de la sorte par le biais de l'IRPP, par le biais de l'impôt sur les sociétés et de la TVA, et un peu d'autres taxes comme taxes sur les produits pétroliers. La haute finance a en charge d'affecter ces 280 ou 300 milliards, entre tant de milliards à la défense, tant de milliards à la culture, tant de milliards à l'enseignement, etc. Et bien ça, effectivement, c'est une tâche qui, du point de vue de la définition que j'ai fait de loi, qui relève de l'exécutif. C'est l'exécutif. Bon. Alors, la question que tu m'as posée, c'est que fait le peuple? Le peuple peut contrôler les exécutifs. Le peuple peut à tout moment intervenir sur une décision d'exécutif. Voilà, donc là, la réponse à la question. C'est le peuple qui fait la loi, et uniquement la loi, mais le peuple, en plus, donc définition de la démocratie directe en deux lignes, c'est élaboration des lois, de tout processus élaboratif, initiative, débat, contradictoire et votation, uniquement par le peuple, plus contrôle de l'exécutif. Contrôle ad libitum. C'est-à-dire que le peuple peut très bien ne rien contrôler. Si tout ce que fait l'exécutif, ça lui convient, il ne bouge pas. Si certaines choses que fait l'exécutif, alors pour une fois, on ne va pas rentrer dans les détails, Luc a montré le petit bouquin en début de réunion, l'idée c'est que pour toute décision de l'exécutif, et notamment les arbitrages budgétaires. Alors c'est intéressant parce que dans le mot arbitrage, il y a le mot arbitraire. C'est-à-dire qu'arbitrairement, on va répartir le gâteau
Bon, mais en fait, le pouvoir exécutif ne prend que des décisions arbitraires. Et s'il n'est pas contrôlé, c'est l'arbitraire au pouvoir. Par contre, s'il n'y a pas de dispositif de contrôle, c'est l'arbitraire au pouvoir. S'il y a des dispositifs de contrôle, ça veut dire que le peuple, alors là je résume, bon, laisse ses mandataires, disons, s'occuper du capitanat du voilier qui trace sa route. Si à certains moments des choses ne lui plaisent pas, il peut intervenir. Alors, je sais pas, j'aimerais bien t'interroger sur intervenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire interrompre le projet, genre mettre son veto ou le modifier, qu'est-ce que ça veut dire exactement que intervenir? Et puis, je comprends pas dans quelle logique quel est le cheminement pour ne pas donner l'initiative. Donc, le peuple n'est pas initiateur d'un commandement opérationnel, mais il peut éventuellement mettre son veto, ou en tout cas avoir son mot à dire dessus. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas, dès le départ, impliqué? Alors, très rapidement, parce que c'est pas vraiment le sujet, là, on déborde sur la démocratie directe, mais très rapidement, le peuple intervient de trois façons. Droit de veto, c'est-à-dire qu'il peut interdire une décision du pouvoir exécutif. Droit d'initiative, le voilà. Donc, il peut dire, tiens, j'aimerais bien que vous fassiez ça. Voilà. Et troisièmement, droit de révocation. Il peut révoquer des gestionnaires. Bon. Voilà. Donc effectivement, le peuple peut, s'il le désire, parce que si le peuple, ce que les gens confondent souvent, aussi, moi j'ai des bus, j'ai des confusions partout, je vois des confusions partout. Bon. C'est le accélère, enfin, il y a différents vocables pour le RIC en toute matière. Abrogatoire, constituant, révocatoire, et enfin peu importe, c'est les quatre. Alors, dans une loi de finances que j'ai à proprement appelée budgétaire, elle fixe aussi le budget de l'État qui est la partie, mais dans ces parties, il y a deux parties, il y a aussi la partie recettes. On examine les recettes, puis les dépenses. Pas que les dépenses dans la loi de finances, hein, mais aussi les recettes de l'État. Donc c'est assez important. Bon, voilà, tout ça pour dire que je crois que, enfin, pour moi tout ça c'est un encouragement, je vais me répéter, mais à ce qu'on définisse, mais que pour le coup qu'on le fasse dans un autre chantier, peut-être pas, d'ailleurs, il faudra peut-être qu'on travaille, je dirais, en chambre avant, pour se mettre d'accord. À mon avis, c'est nécessaire qu'on expose tous les débats sur ce qu'on définit comme étant la loi et tout ça, et sur les vocables qu'on va employer. Parce que, mais ça, c'est un travail à part entière, et à mon avis, il ne va pas être simple. Je pense qu'il ne faut pas qu'on... Voilà, on a plongé, et là, on le voit bien qu'on plonge dans le réel, dans des constitutions, quelque part, puisque le sujet récurrent de la constitution de Christian, hein, donc j'ai annoncé le livre tout à l'heure, il y a la constitution démocratie directe qui propose avec les gens qui sont autour de lui. Voilà, l'idée du CRC, c'est justement de rester à un niveau plus principiel, justement. C'est pour ça que je repose la question, qu'est-ce qu'on a envie? Et on a envie, y compris dans les commandements, effectivement, pas simplement des exécutifs qui sont... je redérive tout de suite dans démocratie directe. Les gens ne sont que des mandats impératifs. Donc, comment est-ce que des gens qui ont un mandat qui est impératif peuvent faire des commandements opérationnels? C'est un peu bizarre. Ça veut dire qu'en amont, il faut qu'il y ait eu ces commandements-là. Ou des commandements de plus haut niveau. Enfin bon, voilà. Je pense qu'on rentre trop. Du coup, il faut qu'on les ait en tête, tous ces détails, tous ces implications de principes qui vont être posés. Mais il faut qu'on en reste à des principes et essayer de se mettre d'accord entre nous sur ce qu'on définit comme étant la loi. Et je crois que c'est un préalable. Voilà, je réponds. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Christian, tu veux répondre ou est-ce qu'on... Deux petits points très rapides. Tout à l'heure, Luc, tu as dit que tu...
Tu te demandais comment on allait se mettre d'accord sur un glossaire, enfin qu'on allait se mettre d'accord terme après terme sur le glossaire, en voyant déjà esquisser le débat contradictoire autour d'une définition du mot « loi ». Bon, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Le problème, ce n'est pas forcément de se mettre d'accord. On a déjà, je pense, abordé ce point avec Bruno, Martin Valras. Le but, ce n'est pas de se convaincre les autres. C'est que chacun expose. Voilà. Alors, l'exposé, par exemple, prenons la loi. Je vais proposer une définition. Guillaume va proposer une autre définition, et Luc va en proposer une autre. Et nous allons chacun, de notre côté, argumenter notre définition. Nous allons également répondre aux critiques, hein, ou aux demandes d'éclaircissement d'avant les autres. Et puis, petit à petit, les avis des uns et des autres peuvent changer, sans qu'il y ait une volonté de faire changer l'autre, mais une volonté de défendre ses arguments et de prendre en compte les arguments de l'autre. Voilà. Bon. Et puis ensuite, on peut. Le but n'est pas d'arriver à un consensus. Je crois que. Je sais plus. Je crois que c'est Bruno qui disait, mais le but de tout débat, c'est d'arriver à un consensus. Non. Non, le but de tout débat, c'est qu'il soit riche. C'est pas forcément d'arriver à un consensus. Donc on peut très bien arriver à plusieurs définitions alternatives. Voilà. Je ne sais pas. Ah, la question. Je ne sais pas s'il faut se mettre comme objectif d'arriver forcément à une définition unifié et consensuel de chaque terme. Deuxième. Oui, non, mais, voilà. Et puis, deuxième point très très rapide, ce que j'avais oublié tout à l'heure, lorsque Guillaume me dit mais pourquoi le peuple et comment le peuple intervient dans les commandements opérationnels et pourquoi en démocratie directe, c'est pas le peuple qui gère aussi les commandements opérationnels, parce que ça s'appelle l'autogestion. Voilà. C'est là-dessus que j'ai oublié. Bon. Et les gens très souvent confondent démocratie directe et autogestion. Démocratie directe, ils se disent, ah oui, ben alors c'est le peuple qui décide de tout dans une collectivité territoriale, dans une ville. C'est, pour la moindre décision, l'enlèvement des ordures, ça va être forcément une assemblée qui va décider. Non, ça s'appelle autogestion. Et nous disons, chose très claire, hein, bon, nous disons l'autogestion, ça ne marche pas. Voilà, bon, c'est un autre débat. Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle le peuple fait les lois, uniquement élabore les lois, et peut intervenir dans les commandements opérationnels, mais il désigne des mandataires, hein, et c'est pas qu'il leur fait confiance, il leur délègue son pouvoir souverain, et il regarde si ce que les gars font lui convient. Allez, je propose qu'on s'arrête là pour cette fois. Juste par rapport à ça, mais c'est un petit peu. C'est sur l'histoire du. Effectivement, tous nos débats ne sont pas là pour qu'on se mette forcément d'accord, pour éclairer, etc. Par contre, dans le glossaire, puisqu'on va proposer une définition, là, je crois que. Enfin, il va falloir qu'on arrive à dire, ben voilà, notre définition, c'est ça, et ceux qui voudront écrire une constitution après, ben, on préconise d'utiliser cette définition. Pour ce cas précis, il faudrait quand même qu'on arrive à se mettre un peu d'accord. Écoute, faut voir ce qui va se passer. Hein. Voilà. Bon, on est prévenu qu'il peut y avoir un problème. On va bien voir. Voilà. Faudra peut-être inventer quelque chose. Oui, je pense qu'on inventera quelque chose. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Salut les amis. À bientôt.